Je sais que ce que tu as vécu dans Thèbes était éprouvant, mais nous avons un autre problème. Il y a eu un souci avec Beta et le système. On va pouvoir te transporter jusqu'à Gémeaux? Le système est complet. Le problème concerne Héphaïstos. Il a sérieusement accéléré sa prolifération sur le réseau des Creusets, ce qui a accru sa puissance. Mais maintenant que tes sous-fonctions sont restaurées, on peut y arriver, non? En effet, mais la conséquence est que l'absorption d'Héphaïstos prendra plus de temps que ce que nous avions calculé. Combien? Même avec l'autorisation de grade Oméga, ma dernière estimation pour la fusion est de 35 heures. Et chaque heure en plus augmente le risque de détection par les Zéniths. Deux noyaux. Deux piratages. Et si la fusion était lancée par deux clones d'Elisabeth Sobek, qui disposerait du grade Oméga? Ça prendrait quoi? Deux fois moins? Héphaïstos ne s'attendrait pas à l'action simultanée de deux opératrices qualifiées, sans compter les évidentes efficiences synergétiques. Je calcule. Cela réduirait le temps de fusion à environ 4,5 heures. D'accord. Var, je crois qu'on va avoir besoin de Beta à Gémeaux. Tu crois que tu peux la convaincre? Je sais pas. Je vais essayer. Et la diversion marche? Nos générateurs d'impulsion? Il ne reste plus qu'un ultime test. Je suis sûr que s'ils sont utilisés à proximité des autres Creusets, les impulsions masqueront nos activités à Gémeaux au Zénith. Bien. Tant qu'Eren arrive à le manipuler sans se le faire sauter au visage. À l'œil. Tu devrais descendre ici. Beta est dans un sale état. D'accord. J'ai essayé, mais sans résultat. Je ne pense pas qu'on puisse la convaincre. On n'a pas le choix. Bonne chance. Beta, il faut que tu viennes avec nous. C'est le seul moyen. C'est juste une mission. La plus importante, on a besoin de toi. Dis-moi pourquoi tu refuses. S'ils me reprennent, à nouveau, ils m'enfermeront. Je les servirai pour toujours. Varl et moi, on sera aussi à Gémeaux. Je te protégerai. Dès qu'on a Héphaïstos, on revient directement ici. Les Zéniths ne nous trouveront pas. Allez, t'as rien à craindre. Non! Tu ne peux pas me protéger. Rien ne peut me protéger contre eux. Je t'ai dit dès le début qu'on ne réussirait jamais à les battre. C'est sans espoir. Beta. Laisse-moi tranquille! Tu ne comprends pas? T'as raison. Je comprends pas. On a les mêmes gènes, le même esprit, le même cœur. Alors pourquoi t'as pas la force de faire ce qui doit être fait, comme le ferait Elisabeth? Tu crois que j'y ai jamais réfléchi? Je ne sais pas quelle partie d'Elisabeth il me manque. Je ne sais pas ce que tu as que moi je n'ai pas. J'ai regardé toutes les données de ton focus. Tu as grandi comme une paria, rejetée et isolée, tout comme moi. Alors où est la différence? C'est quoi mon problème? Beta.
Tu n'as aucun problème. Beta, regarde. Ce n'est pas une partie d'Elisabeth. La différence, c'est lui. Rost. Il t'a élevé, il t'a entraîné, mais il n'a jamais été tendre ou aimant. Le jour de sa mort, le jour où il t'a donné ce pendentif, il allait t'abandonner. Il voulait que je rejoigne la tribu. Et il a sacrifié sa vie pour me sauver. Il m'a aimé à sa façon. Ça suffisait. C'était comment ? C'était comme... comme une force qui a toujours été en moi. Et qui l'est encore. Je l'entends toujours dans ma tête quand j'ai des problèmes. Si ça semble impossible, réfléchis plus. Lutte comme si tu pouvais gagner. Rien ne t'oblige à faire cette mission. On trouvera autre chose. J'irai. Tu as dit que tu voulais me protéger. Je te crois. Mais tu dois me promettre une chose. Oui, bien sûr. Si ça tourne mal, si les Zéniths nous trouvent, je ne veux plus être leur esclave. Est-ce que tu comprends ? Promets-le. Je te le promets. Je vais avoir besoin d'un maximum de temps pour étudier la fusion, pour la rendre la plus efficace possible. Je serai prête quand nécessaire. Promis. Bonjour, alors. Alors, tu sais, pour Beta et moi, tu as sûrement tout entendu. Oui. Je ne cesse d'être impressionnée par la complexité des relations humaines. Malgré les circonstances désagréables qui ont provoqué votre dispute, je suis ravie de constater que vous avez pu trouver un terrain d'entente. Eh bien, deux têtes valent toujours mieux qu'une. Oui, je le crois. Tu es prête à partir pour le creuset Gémeaux ? Nous pouvons continuer notre conversation si tu veux. Ok, tout le monde. Il va falloir y aller. Je vais rassembler tout le monde. Oh.
Connexion établie. Je démarre. Beta, Aloy. Je suis complètement installée dans ce noyau et prête à me connecter au réseau de Creuset. Ça fait du bien d'entendre ta voix. Eren, tout le monde, lancez vos impulsions et appelez. Je suis au Creuset. Mon générateur d'impulsion clignote. J'ai fait ce qu'il fallait ? En position à mon Creuset. Mon générateur d'impulsion clignote également. Ça veut dire qu'il marche. Je suis en position et le mien fait pareil. Et le mien. Allez, silence radio jusqu'à mon signal. Terminé. Gaïa, attrapons la bête. Je lance ma connexion au réseau des Creusets. Elisabeth Sobek, grade Alpha, demande d'autorisation Omega. Elisabeth Sobek, grade Alpha, demande d'autorisation Omega. Autorisation confirmée. Lancement de la séquence de confinement. Menace critique détectée. Impératif échappé au confinement. Application des contre-entraînements. Enferme-le. Interruption des connexions externes. Ça marche. Il n'a plus aucune issue. Capture imminente. Initialisation de l'éventualité 13F. Qu'est-ce que c'est ? Logiciel malveillant. Tentative de compensation. Confinement inacceptable. Il est pendu. Regarde. Dispositif activé. Enclenchement. Et défense autonome. Directive neutralisée. Ça veut dire que des machines vont arriver. Les voilà. Val, reste ici. Protège Beta. Compris. Fais attention. Arrière. Par ici, toi.
Aloy, Hephaïstos ne peut pas s'échapper, mais il a dû reculer. Je vais en avoir besoin, c'est sûr. Chasser Hephaïstos et le déloger à chaque fois qu'il tente de se cacher. Il doit absolument se replier sur le noyau. Tu vas le payer, Hephaïstos. D'énergie venant de la salle suivante. Merci de m'avoir prévenu. J'y serai bientôt. Hephaïstos prépare bien quelque chose, pas de doute. Quel genre de machine est-ce qu'il espère créer? Je sais pas, mais je vais l'en empêcher. Je parie que ces transporteurs de mutants me mèneront là où il se fournit en matériaux. Je parie que c'est aussi là que se cache Hephaïstos. Une autre salle. Je ferais mieux de les suivre. Il faut que je traverse ce champ de force. J'ai réussi à recâbler la plupart des composants dans le noyau, mais le processeur d'énergie est endommagé. Sans en fabriquer un autre, il me sera impossible de le réparer. Il doit y avoir un monde du peu pire, près de la plateforme centrale. Si. Je dois peut-être d'abord m'occuper de ces machines. Thank you.
Franciscan Sierre de la charge incendiaire. 46 centimes. Oh, super. Notre machine arrive. Beta, Héphaïstos vient de m'isoler du nœud. T'as une idée? Je vais voir ce que je peux faire. Dans une autre salle. Il ferait bien de pas trop y prendre ses aises. Génial, Héphaïstos a recouvert le sol d'électricité. Je dois trouver un moyen de passer. Aloy, d'autres machines arrivent. Je t'en prie, dis-moi que tu es presque. J'y travaille. J'ai eu pas mal de machines de mon côté, moi aussi. Je crois qu'Eren a disparu. Aloy, je commence à contourner les défenses. Mais il me faut quelque chose pour que le module de cyclage tienne le coup. Peut-être un ligament de l'une des carcasses de machine? Oui. Ou un passage lumineux. Tu pourrais le renforcer avec un cylindre de conversion. Pour une meilleure connectivité? Je pense qu'on peut y arriver, Aloy.
devrait y avoir un autre nœud à pirater. Compris. Phaistos va manquer d'endroit où se cacher. Aloy ? Je viens de détecter un énorme afflux d'énergie dans la chambre de production. Quelque chose d'énorme est en train de se passer. Ici aussi, tout se met à briller. Cette machine que Phaistos construisait,
Il doit l'avoir terminée. Elle est puissante, dans tous les cas. J'ai presque fini de réparer le noyau. Tu veux qu'on te rejoigne? Je peux peut-être distraire la machine. Non, Beta. Reste où tu es, d'accord? C'est à moi, Jim. D'accord. Sois prudente. Attention, je te renvoie, Héphaïstos. Assure-toi qu'il y reste. Je te rejoins. Et on pourra lancer la fusion. C'est grâce à toi, Beta. Je suis contente que tu sois venue. Et à toi, Varl. On n'aurait jamais réussi sans ton aide. Je te retourne dans ton chemin. Stable. Héphaïstos est confiné à 100%. Alors on ferait bien de lancer la fusion. Tout est en place. Gaïa, établis-nous la liaison. C'est fait. Il faut extraire le code malveillant d'Héphaïstos.
Eh bien, bonjour, bonjour, copie redondante. Tu nous as fait perdre pas mal de temps. Eric, reprends Beta. Et écrase donc cet insecte dont tu es. Cache-toi derrière moi. Allez, arrête de faire l'idiot. On s'amuse bien, hein? Tilda, prépare Gaïa et Héphaïstos pour leur transport. Tilda! J'ai échoué. Chut! Tout n'est pas perdu. Tilda! Qu'est-ce que tu fous, mon Dieu? Arrête-la! Je ne la vois même pas! Beta. Parle. Où je suis? Ah, tu as réveillé. Tu as subi un sacré choc quand Gérard t'a attaqué. À te voir, j'imagine que tu souffres encore beaucoup. Rassure-toi, c'est un endroit sûr ici. Les autres ne peuvent pas nous voir. Tu parles des autres Zénith. Tu dois être Tilda. Je n'étais pas sûre que... Beta t'ait déjà parlé de moi. Où est-elle? Elle est en vie. Et même si elle n'est pas là où elle voudrait être, pour l'instant, elle n'est pas en danger. Il faut qu'on s'organise pour la récupérer. Enfin, une fois que tu seras remise sur pied. Quand tu seras prête, viens me rejoindre. Prends par les escaliers. D'ici là, je vais aller préparer le petit déjeuner. Petit déjeuner? D'accord.